et la voix haute. C'est que Dieu m'appelle, la voix haute en moi réagit d'une telle manière. Et à partir de cela, la vraie communication dont vous parliez tout à l'heure, c'est la communication avec mon intérieur. C'est en cela que je m'éduque moi-même. Et une fois que j'ai communiqué avec l'intérieur, cette communication, je veux la porter à l'extérieur avec, chez mes étudiants. Ils vont me dire, ils acceptent ou n'acceptent pas. Même la philosophie occidentale que j'ai, ce que j'appelle la philosophie positive. Mais je ne donne pas les choses toutes faites. J'entends la conscience qui me dit, là, tu peux en parler à tes frères, à tes jeunes frères. Je peux parler. C'est cela, moi, mon ambition. Mon ambition, c'est avoir un peu l'ambition de Socrate, là. Connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même. Notez, c'est out. Et comment vous vivez avec vos petits philosophes, avec vos étudiants, philosophes? Souvent, à un moment donné, je les insulte, excuse-moi les termes. C'est-à-dire, vous êtes nuls. Je leur dis ça. Pourquoi est-ce que vous attendez que je vous donne la philosophie alors que vous êtes à l'âge de pouvoir m'aider à pouvoir connaître vos pensées? On échange. Lorsqu'ils attendent, je leur donne tout, je dis, vous êtes nuls. Il faut me rendre jeune avec votre manière de penser, avec vos petits arguments. Je peux le prendre aussi, les fondre pour pouvoir répondre à vos questions. Dans mes cours, je privilégie le dialogue entre mes étudiants et moi. Ceux qui sont maintenant grands, il y a même des philosophes, des professeurs ordinaires que j'ai enseignés quand on m'a nommé à Lubumbashi. Donc ces philosophes-là, ils savent comment je philosophe. Mais ce n'est pas parce qu'ils savent qu'ils font ce qu'ils ont appris à un moment donné. Non, on est libre. On est libre. On est libre de suivre la voie de la conscience ou pas. Moi, mon combat avec moi-même, pour revenir au mot que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est de pouvoir complètement m'affronter contre moi-même pour installer en moi le bien. Je veux être la conséquence de la voie du bien. La parole, la voix haute qui parle à moi pour le bien.